Konnichiwa Minasan, les amis, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 13 à la recherche du phénix, partie 3, et peut-être la dernière, j'espère. On a retrouvé enfin cette petite clé qui nous pourrait être utile, puisqu'on avait, rappelez-vous, cette boîte qui contiendrait un sabre ou une épée. Enfin, de toute façon, c'est la même chose. Et justement, cette boîte est enfermée, puisque. Enfin, ce sabre est enfermé dans cette boîte, et du coup, il nous fallait la petite clé. Donc là, on va... Ah bah voilà. En plus, on a une interaction qui nous permet d'aller... Ça l'a vissé pour le chat. Et on va aller utiliser la clé. Voilà. Yeah, it opened. This sword, it has... C'est bien, on peut le faire marcher avec le sabre, c'est absolument génial. Et bon, forcément, le sabre ne va strictement nous servir à rien. Donc, à mon avis, je pense que ça doit être caché ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le sabre ou c'est l'empreinte? On voit pas. Ouais, c'est le sabre. Why is that here? What's this slot for? Donc, du coup, ben, on va le mettre dedans. Alors. Une fois qu'on aura trouvé ce phénix, on passera à autre chose, forcément. Mais du coup, on va s'arrêter en si bon chemin pour un troisième épisode, enfin pour un futur épisode, mais sur autre chose du coup, parce que je pense que c'est là qu'on va enfin peut-être trouver le phénix. Donc là, okay. Voilà. Il a mis le sabre bien comme il faut. Et là, à mon avis, ici, c'est l'empreinte. Là, l'empreinte maîtresse, voilà. L'empreinte maîtresse du médaillon d'Azuki transmis de génération en génération. Why is that here? Donc là, il n'y a plus qu'à le mettre. À moins qu'il faut faire... Ouais, il va falloir faire l'interaction. J'ai fait une bêtise. Alors là... Voilà. Et on le met. Et mais si mes souvenirs sont bons, normalement, on a une pièce cachée qui nous mène dans une cave. Oh. Un passage secret. Wow, so it was a switch. C'est ça, ouais, donc c'était un passage secret en quelque sorte. Et c'est pour ça, en fait, qu'il nous fallait tout simplement cette lampe, puisque comme on sera dans une cave, on va descendre. Alors, c'est quoi, c'est... Residence basement, ouais, ça doit être une cave, quelque chose comme. I wonder where this is. Alors, et heureusement qu'on a une lampe. Alors, hop, voilà. En plus, ça va, on a la petite jauge de batterie qui nous dit qu'elle est parfaite, de toute façon, on en a deux. Et c'est parti, voilà. Et un truc vraiment con à vous dire, c'est que si on n'avait pas de lampe, et que si on avait le sabre et le médaillon en question activés, et qu'on avait la porte ouverte, on ne pouvait pas accéder directement à la cave, puisque forcément, trop sombre, on ne peut rien y voir. Alors, où on est? C'est par ici. Voilà. Alors, il fait vachement sombre. C'est bien ça, le problème. On va peut-être bien trouver quelque chose... On va essayer de récupérer tous les objets en question. Si Hachiri-san, some kind of medicine. It looks pretty old. Maybe my father used it. Alors ça doit être un une sorte de une potion, quelque sorte, qui permettait de guérir, une sorte de médecine chinoise. C'est quoi, un bol, ça? Un bol, une assiette. It's our family crest, a sake cup. Does this have something to do with my ouais, family? Donc une coupe. Un petit bol de saké, enfin pour boire le saké en général. On va fermer tout ça. Alors, est-ce qu'on va peut-être trouver quelque chose? Ah, qu'est-ce que c'est ça? It's a paperweight. Ouais, ça va pas vraiment servir à grand chose. Putain, c'est vrai qu'il fait vraiment noir. Alors. Est-ce qu'il y a des choses ici intéressantes?
Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, c'est des bricoles, donc ça n'a strictement aucune importance. Et ici, on va peut-être trouver... Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? What strange paper. It doesn't look Japanese at all. Where did father get this? What strange paper. On peut pas la prendre, non. It doesn't look Japanese at all. Where did father get this? Donc on peut pas le prendre du tout. Donc on va laisser tomber. Et ici. Ah, une photo. Alors, qui c'est? It's father when he was young. But who's that with him? Donc le père de Ryo quand il était un peu plus jeune. Alors, on va peut-être bien trouver. Ah, alors attends. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce coin? Qu'est-ce que c'est ça? Une boîte d'allumettes? These are all dried out. Ouais, une boîte d'allumettes. Alors, donc c'est pas ici. Est-ce que c'est pas plutôt par là-dedans? Ah, ça c'est la hache pour... Qu'est-ce que c'est ça? Un shuriken? I've never seen a weapon like this. Ou un... Je sais pas comment on appelle ce genre de truc. Non, c'est pas ici. Alors, ça ne peut être que... Alors... Ah! Et ici, on n'avait pas regardé ici. Where's the mirror? On va le trouver, ce miroir. On va le trouver. Alors, est-ce qu'il faudrait... Je vois qu'il y a des cales. Ouais, je vois des cales, ça ne... These scratches must be from the shells. Ça ne peut être qu'ici. Voilà, c'est là. Alors... Ouais, mais pourquoi il bouge la caméra sans cesse? Alors, on va aller pousser tout ça. Voilà. On va tirer tout ça. Ça m'étonnait pas qu'il y avait des griffes, donc du coup il y avait un indice vraiment intéressant à voir. Donc là on va pouvoir regarder, pas besoin de rejeter un œil sur les notes, puisque voilà. Huh? That wall. The color is slightly different. Comme c'est pas les mêmes couleurs, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui a été refait. Donc on va prendre la hache. Non, je veux la hache. Je veux pas. Voilà. Can I break the wall with this axe? Hop, et on va aller... Et on va aller chercher... Voilà. Where would I hide it? On va aller taper ici. C'est bien, en plus, il y a une interaction en plus à faire, faut juste appuyer sur le bouton A pour redonner un bon coup dans ce morceau de mur pour essayer de récupérer This box. Alors est-ce qu'on va peut-être trouver ce médaillon? Réponse maintenant. Got it. Ouais, et ben voilà. Enfin trouvé ce médaillon. It's the Phoenix Mirror. Pouvoir remonter à la surface, et du coup tout ce qui va nous rester à faire c'est d'appeler le maître Chen pour dire que enfin on a retrouvé le médaillon et qu'on va pouvoir se rendre directement une fois de plus à Miyama pour lui montrer et avoir un peu plus de détails concernant notre père. Ryo-san, you found the mirror? So that's the Phoenix Mirror? It's kinda creepy, eh? I feel like it's pulling me in. Ryo-san, stop it, please! You think it could be cursed? No, I don't think it's cursed. I have a feeling about it, but I can't explain. Hey, see what I mean? That's dangerous!
Are you possessed? Folks, get real, would you? What? I'm serious! Enough. Give me some time alone, okay? Sure. I should take this mirror to Master Chen. Je comprends pas pourquoi des fois les dialogues sont complètement cons. Hein, rappelez-vous dans le 10e épisode quand on venait de rencontrer, quand on a dû éviter les gardes la nuit avec le maître Chen, enfin pour rencontrer le maître Chen, et quand on avait enfin pu le rencontrer, ce fameux maître, il nous avait dit qu'il y avait un deuxième miroir quand on s'était fait voler le miroir du dragon. Il nous avait dit, rappelez-vous, qu'il y a un deuxième miroir qui s'appelle le miroir du phénix qui est chez vous et que une fois que vous l'aurez retrouvé, il faudra me rappeler pour me prévenir que vous l'avez et venir me voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler. Mais du coup, voilà, le problème, c'est que j'ai oublié le numéro de téléphone. Alors, le numéro, c'était quoi déjà? C'est 04. Alors, on va retourner au début. 04. Oh putain, je sais même plus le numéro du téléphone, du coup. Alors, on a le mot de passe, mais ça je m'en fous. 04 68 61 56 47, voilà. 68 61 56 47. Alors. Alors, 61. Ah, merde, je me suis trompé. Ah, putain, zut. Ah, putain, on va recommencer à zéro. Oh, allez, on raccroche et on recommence. Allez. Donc, 61. Donc, pas besoin forcément de faire le 04 pour composer le numéro en question. Ça sert à rien, ça nous fait gagner un peu de temps. 56. Voilà. 56. The phone number you have dialed is no longer in service. Please check the number and try again. A few moments later. On va bien y arriver quand même un jour. Hello? Mother's Earth. Alors je crois que c'est Nine Dragons, si je dis pas de conneries. Nine Dragons. Oups. Ah merde. Hello? Father's Heaven. Attends. Father's Heaven. Comrades, je crois que Comrades. Oups. Oh putain! Damn! 3:28 a.m. Putain, j'ai pas encore envie de me tromper, sérieux. Father's Heaven, Nine Dragons, Mother's Earth, Comrades. Comrades. Father's Heaven. Voilà! C'est bien ce qui me semblait. Father's Heaven. Nine Dragons. Nine Dragons. Warehouse voilà. Number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are. My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah, I found the mirror. I'll tell my father. Come to warehouse number 8. Sure. Voilà, putain, hey, il était temps quand même, sans déconner, parce que là, c'est vrai que ça faisait plus d'un mois que j'avais pas joué à cette série. Alors, Yamanose, on va aller à Dobuita, du coup ça sera beaucoup plus rapide pour prendre le bus, et on va s'arrêter, comme à la fin du premier CD, à l'arrêt de bus, et on reprendra le prochain épisode. Du coup ça sera pour moi beaucoup plus rapide. Donc là il est 18h44, donc là il doit déjà faire nuit. Puisqu'on est encore en pleine période de Noël. Ouais, putain, franchement, il fait noir de chez noir. Donc du coup, ouais, le prochain épisode va se passer dans la nuit. Et on va se quitter là-dessus. Bon, on va finir cette petite ligne droite. On va faire vite. Hop ! La fameuse Nozomi Arazaki qui bosse jusqu'à 22h du soir, d'ailleurs, pour les fêtes de Noël. Alors c'est vraiment ce qui est bien, c'est de telle date à telle date,
Des décors changent, donc vous voyez forcément bah, le Père Noël qui est ici, hein, même si c'est vraiment plus la période, étant donné qu'on est au mois de mai. Donc j'espère que les bus, il y a encore des bus ici. Je l'espère. Donc du coup on va l'attendre sagement en attendant que le dégel se fasse. Et donc du coup, c'est ici qu'on va se quitter. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à... Attendez, il y a un truc. Ah bah oui, forcément, il est 19h. Ça m'a fait une frayeur, du coup, je pensais que... Du coup, les bus étaient terminés. Donc j'espère qu'il y en a encore la nuit. On attend. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vraiment pas sortir de la ville. Enfin, vraiment, ça se limite à pas grand chose. Regardez, ça se limite vraiment à l'abri de bus. Donc je ne peux pas réellement avancer. Est-ce que il y a un putain de bus qui va arriver? J'en sais fichtre rien. Ah bah voilà, le bus arrive dans l'autre sens, donc du coup il va arriver. Et pour une fois, c'est ici qu'on va se quitter. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode numéro 13. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire, ce qui me fera énormément plaisir pour avoir votre retour. Un pouce bleu sera très très important. Enfin, c'est important les pouces bleus forcément si vous avez liké cette vidéo. Et on se retrouve pour l'épisode numéro 14. Médaillon trouvé, Saimala Tomodachi.